On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Qui ? Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve et dont le culte est voué à la déesse. Paprium. On voulait. Ah non, ça c'est des couilles molles, hein. Franchement, des sous-hommes, y a pas d'embrouille. Vérité, charlatanisme, chacun est en droit de penser ce qu'il veut. Quant à moi, je vous rends l'antenne et vous souhaite à tous de retrouver une totale liberté d'esprit, cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Heureux de vous accueillir une nouvelle fois sur cette nouvelle vidéo, c'est vraiment très sympa de votre part. Aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing du jeu le plus puissant, donc sur Mega Drive, Paprium, un jeu qui a vraiment créé la polémique et qui est vraiment très difficile à avoir. C'est-à-dire qu'il a été publié à une quantité limitée, il y a eu après des commandes, il y a eu après des précommandes et il y a eu après le Kickstarter, mais pour l'instant, rien n'est apparu du Kickstarter avec ses versions donc Mega Drive. Il y a aussi une version Game Gear en prévision, une différente version Next Gen, c'est-à-dire sur PlayStation, sur Nintendo Switch et sur PC. Et on a aussi une version Dreamcast en prévision. Voilà, mais tout ça, ça a pris du retard, donc c'est très difficile de l'avoir, de s'en procurer. Et j'ai réussi, voilà, jouer un petit peu. Des petites connexions, voilà, des petits amis qui ont réussi à avoir une copie pour moi. Il n'y a pas d'embrouille. Voilà, je l'ai ici. Donc elle est totalement scellée. On peut le voir ici, il y a encore le scellé. Il n'a pas été ouvert encore. C'est une version, donc une version investisseur. Investisseur édition japonaise. Donc normalement, on aura du bon contenu. Donc n'oubliez pas, voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas donc à suivre la chaîne et aussi faire un petit pouce, voilà, ça aide. Et donc on va commencer sur l'ouverture donc de ce jeu, voilà, qui est très, pour moi c'est attendu. Donc ce jeu est un beat'em up, c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Je l'ai découvert assez tôt sur console et micro-ordinateur Amstrad, avec par exemple Premier Game. Et donc là, on a un homebrew en fait triple A, on va l'appeler comme ça. Qui est
qui est sorti donc en 2020 pour Mega Drive. Il devait être prévu initialement, il me semble, en 2017. Après, il devait sortir finalement en 2018. Et après, on a eu des reports, jusqu'à normalement fin 2020, décembre 2020. Il est sorti. Et depuis là, il est très difficile à avoir. Les copies ont été vraiment très limitées. Et donc là, j'ai réussi à avoir un exemplaire de la version investisseur. Donc c'était la version la plus recherchée à l'époque. Donc, on va procéder donc à l'ouverture. Comme vous pouvez voir, il est scellé et on va couper le scellé tout de suite. On va le couper proprement. C'est quelque chose, hein. Ça fait quelque chose. C'est-à-dire que je coupe le scellé. Et en coupant le scellé, je vois 100 euros qui s'envolent. Voilà. Partir maintenant. Voilà, c'est fait. Il est coupé. On a perdu 100 balles. mais ça, c'est pas grave parce qu'on peut voir. Donc le packaging, il est aussi marqué sur le carton par les symboles de Watermelon, de la secte. Et là, on a le sticker avec la version qu'on a. Donc, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir sous vos yeux ébahis et surtout les miens. Parce qu'en fait, de vive vue, j'en ai jamais vu. Donc, on ouvre. Et donc, dans le packaging, on a donc la version investisseur à l'intérieur. Elle est ici. Voilà. Il n'y a pas d'embrouille. Version investisseur. Et on va la sortir de sa boîte. Voilà. Une boîte assez lourde quand même pour le jeu. Je sais pas vous dire, mais attendez, je vais mettre ça là, comme ça. Je sais pas vous dire, mais là, il y a au moins facilement, je dirais peut-être 500 grammes ou 600 grammes. Hein. Je sais pas, hein, j'ai pas un pèse personne, mais bon. Donc là, on a la version donc. Japonaise, on a un packaging qui est très qualitatif. Là, on peut voir les stickers et le tout. Bon, je suis en train de montrer ici. Voilà. Hop. Non, c'est pas mal. Derrière aussi, ici, il y a les symboles Watermelon. Je sais pas si on pourra le voir, mais bon. Voilà. Et donc, on va procéder à l'ouverture. Bien sûr, on va couper le scellé. On va couper le CD et là on perd encore 100 euros. C'est-à-dire que la boîte externe, elle a été ouverte et la boîte intérieure va être ouverte maintenant. On repère 100 euros. C'est comme ça la vie. Mais c'est le seul moyen, on va dire, pour jouer à ce jeu. Hop. On l'a ouvert. On va ouvrir aussi ici en haut. Et voilà. Donc, on va ouvrir tout ça. Hop, tac. C'est décellé. Et là, on a un remerciement. Thank you. Avec Monsieur Showtime. L'acteur qui fait Showtime. Et là, on a donc un petit remerciement de la part. Petite carte postale avec. Donc. Une image du jeu, voilà, et avec un petit mot de Funzy qui dit thank you, voilà, thank you for your patience, voilà, merci de votre patience. Donc ça, on va le mettre ici. On a quoi d'autre? On a donc un petit papier à l'intérieur. Il n'y a pas d'embrouille. Oui, en fait, c'est un petit mot de Monsieur Gwenael avec des instructions de comment jouer, pour avoir les meilleures expériences pour le jeu, etc. Ce qu'il y a en plus, etc. Hop, le petit papier, il va là. On va faire ça tout joli. On met là ça comme ça. On a on va laisser comme ça. On a un petit manga, voilà, une petite bande dessinée manga, c'est juste ici.
Donc ça, faudra que je le lise, voir si c'est pas mal. Alors on a ici volume 1, je sais pas s'ils ont l'intention de faire les volumes 2, etc. Ça pourrait être un truc sympa pour leur part. Évidemment, le goodies ultime, le Armageddon, voilà. Le string de Paprium, celui qu'il faut vêtir quand on va voir Dieu dans une soirée. Voilà. On a le petit. Ah, il y a un petit reflet. Voilà, il y a le petit Armageddon qui normalement va être aussi donné à tous les investisseurs du Kickstarter, vu qu'on a passé un certain palier. Il va être offert, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et des petits goodies. Alors, il y a un petit pins à l'intérieur. Un petit pins avec voilà, le petit l'acteur qui faisait la présentation de la pub de Paprium. Je ne sais pas si vous avez vu, alors ça ne s'occupe pas, allez, ça. Faut... Voilà, il est là. Donc, c'est un petit pins. Donc, le petit pins, on va le laisser ici. Alors, c'est pas essentiel le pins. C'est pour ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient là. Ici. Ah non, il y a encore des trucs. Alors attendez, il y a un truc en dessous. Alors ça, on va le garder. On va le garder. C'est le truc le plus important, mais on va le garder. Et on a un livre. Size Cross Paprium. C'est ce qui est écrit. Ici. Paprium. Size Cross Paprium. Alors normalement, ça doit être un artbook. Ça peut être sympa. On verra après de quoi il en retourne. Et on a ce qu'on attendait. Voilà, le. Alors il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est totalement vide. Hein. Totalement vide. Et là, on a la version. Hop, la version donc japonaise. La version japonaise du jeu. La voici. Donc version investisseur. En tout cas, c'est comme dirait l'autre, c'est beau. Hein. C'est beau. Donc il y a encore un petit scellé. Voilà, le petit scellé, il est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. On va perdre encore 100 balles. Allez. Zou. On va l'ouvrir proprement au moins, parce que moi j'aime bien avoir les trucs propres. Voilà. On n'est pas des monstres, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est ouvert. C'est ouvert et on va enlever tout ça. Tac. Et voilà. En tout cas, le packaging, hein, c'est fort. C'est fort, moi je dis c'est vraiment fort. Donc il y a le petit truc en fait qui va nous permettre de nous garder le jeu dans sa collection. Et on a donc la version investisseur, elle est là avec la petite encoche, voilà, pour le remettre. Et on a là, hop là, et on a ici donc l'intérieur qui se déplie. Voilà, qui se déplie sur différents étages. Hop là. Alors, il y a le jeu qui veut se barrer. Donc, hop, à l'intérieur, en fait. Voilà, on va montrer ça comme ça, parce que c'est assez grand. C'est assez grand. En tout cas, c'est pas mal. Le papier, avec le papier, l'espèce d'effet glacé, etc., ici, fait ressortir certains aspects de l'image, est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Hop, on a quoi à l'intérieur? On a ça, c'est quoi? On va commencer. Alors c'est un poster. Alors on a un poster à l'intérieur, le Paprium. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a hop des stickers. Allez, joli sticker de mouche. Si vous voulez, la mouche, un cafard. Non, c'est un cafard. Regardez. Un sticker de cafard. On a donc
Une petite fausse pub, paraît-il, vraie pub ou fausse pub, c'est à vous de voir, d'un petit jeu. Alors ça c'est étonnant ça. En fait, il y a une publicité pour un amplificateur Arras. On dirait un ampli audio Arras. Voilà, je sais pas. Je ne connais pas. Si vous le savez, si vous connaissez la marque, si ça existe vraiment ou pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a un truc Arras. Alors il y a une petite carte postale avec un petit distributeur qui dit So Fresh. Voilà, il y a ça. Il y a quoi d'autre? Il y a le manuel d'instruction. Et le manuel, eh ben, il est... c'est pas mal. Très belle qualité. J'espère que voilà, ça va focus. En tout cas, très belle qualité. Je vous montre. En tout cas, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. En fait... Ouais, ça n'a pas focus, mais bon. Voilà. En tout cas, le manuel qui est assez épais, très bien. Et il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. Bon, je pense qu'on peut finir la vidéo. Ah non, il reste le jeu encore. Voilà. Il reste le jeu. Et donc, là, voici la version investisseur japonaise à cartouche rose. Voilà. Pour les hommes. Cartouche rose pour les hommes. Je montre aussi ça, c'est pas mal. J'apprécie pour l'instant. On en a, il y a du bon truc. Et donc là, on a le Blue 80 meg bar U. Voilà, on le voit, c'est écrit. Ah, on voit pas trop, mais voilà. Bon, c'est comme en fait un médicament, le médicament Blue, c'est ce qui est écrit. Et puis ils ont fait le jeu de mots avec 80 mégas pour le jeu. Ça c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, eh ben, on va encore perdre 100€ et on va l'enlever, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir proprement, tout simplement. Proprement parce que comme ça on pourra ranger après notre exemplaire de forme propre. Pour le mettre dans la collection quand on n'y jouera pas. Voilà. Hop. Moi, je fais ça très proprement. Moi, je suis méticuleux avec mes jeux. En général. Donc, hop, et on va le sortir. Ici, on a ce qui reste. Et là, on a donc la cartouche. Voilà, la cartouche tellement demandée. Alors, est-ce que... Ah bah, j'ai la cartouche grelot. Je sais pas si on entend. Voilà, on a la cartouche grelot, c'est-à-dire que il y a une plaque à l'intérieur qui recouvre la partie des circuits, qui devait être tenue avec de l'époxy noire, il me semble, et elle doit avoir elle doit être décollée. Donc ça, je m'en chargerai pour la coller plus tard. Voilà, bon. Eh ben, on a fait un bel unboxing, je trouve en tout cas très content d'avoir ce jeu, hein. Surtout très content de l'avoir, mais surtout je vais être aux anges en train d'y jouer, donc sur ma Mega Drive, c'est sûr et certain. En tout cas, je remercie à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, donc mettez un petit pouce, suivez la chaîne, ça m'aide, et en plus il y a plein de contenu qui est vraiment très sympa à voir, donc voilà. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !Ah non, ça c'est des coups de mal, hein. Franchement, des sous-hommes.